En bas. Oh, en bas. Ne connais pas? Ah, bien sûr. Merci Saint-Douc. Oh, comment il va? Merci beaucoup, il va très bien Saint-Douc. Merci beaucoup. Merci Mezugiz aussi pour le deuxième mois, merci beaucoup. Ouais, 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 ouais. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, ouais, ouais. Le vendeur de sucre qui fête son troisième mois, merci beaucoup. Obligé de m'abonner, je te suis un peu dans l'ombre depuis quelques temps. Depuis longtemps, pardon, et ta personne et ce que tu produis mérite un sub de plus, c'est très gentil. Merci beaucoup pour ce soutien. Eh, ça touche le cœur. Ça touche le cœur. D'ailleurs, c'était l'anniversaire de Galaxy hier. Ah, Galaxy était sorti le 16 novembre 2007 ? Ça, je savais pas pour le coup. Merci à Thors pour le Prime. Bienvenue, merci beaucoup. Comment va madame ? Akku 60%. Tranquille. C'est du 60%. Ah, c'était écrit, j'ai pas vu. Ah ouais, ah oui, pardon, j'avais pas vu. 16 novembre sur Wii. C'était écrit en gros sur l'écran. Ouais, mais je regardais pas ça, pardon, excusez-moi. Je regardais autre chose, je regardais notamment les fleurs et le chat qui me soutient au quotidien. C'était surtout ça. Les fleurs de l'ombre, êtes-vous là? Alors Saint-Douc dans le chat qui essaye de réveiller les fleurs de l'ombre. Écoutez, allons-y. Allons-y, réveillons les fleurs de l'ombre. Grosse dédicace aux fleurs de l'ombre. Toutes ces personnes qui regardent le stream et ne parlent pas en fait, sont juste là parce que télétravail, parce que plein écran, parce que jeux vidéo en même temps, parce que flemme de parler en fait. Juste, ça regarde. Bisous à vous les fleurs de l'ombre. Bisous à toutes ces personnes qui ne parlent absolument jamais mais qui sont là. Tous les jours. L'énorme masse de l'ombre, parce que je le rappelle, ça représente l'immense majorité des gens, quand même. Merci le Pew pour le 7ème mois. Merci beaucoup le Pew. Merci Vieboule pour le prime. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir toutes les fleurs de l'ombre. Tap 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 tap. Ouais, je fais la vaisselle. Parfait, c'est très propre. Pop pop pam. Dès que je peux, je sub, promis, mais oui, plein d'écran. Merci Automer pour ce 4ème mois, merci beaucoup. Ah là 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 là. Vous voyez, j'ai pas joué depuis une semaine. C'est-à-dire que là, je sais, il est midi 24. Je sais que les 4 prochaines heures minimum vont être 4 heures de frappe atomique. 50 étoiles actuellement. 2677 fragments d'étoiles. Allez. La Galaxy 2 est prévue sur... Est-ce que Galaxy 2 est prévue sur Switch ou Ponce va devoir acheter une Wii? Alors, ni l'un ni l'autre. Je ferai Galaxy 2, mais j'ai une Wii U. Et je peux jouer au jeu Wii sur ma Wii U, donc je pourrai. Voilà. Merci SnooXVRL pour le 4ème mois. Je suis dans l'ombre. Merci beaucoup. Bonjour. T'as reçu une lettre de Luigi? Hey, j'ai trouvé une super étoile, mais je suis coincé. Regarde la photo et viens m'aider. Tac, tac, bateau, bateau, bataille navale, navale, bataille, électricité. Où se trouve cet endroit? Je me demande si j'ai pas déjà vu. Je te donne cette photo pour que tu n'oublies pas où se trouve Luigi. Pour revoir la photo, appuie sur plus et choisis l'icône courrier dans le menu. Alors, on va se remettre dedans. Je sais plus où c'était. Ah, j'ai encore l'overlay du tournoi MK, effectivement. Ce qui n'a que peu de sens, hein. Merci. C'est normal le code du tournoi en bas? Non. C'est évidemment pas normal. Attends, est-ce que je peux faire un truc là? Si, j'aurais pu, je pense. Nice. Nice. Ok, on traîne les mécaniques directement, ça fait plaisir. Alors, je sais pas si c'est là. C'est ça. Je pense que c'est ça, non? Usine de vaisseau. Ouais, je pense, hein. Ouais, je pense. Quoi qu'il n'y a pas les trucs électriques, là? Non, c'est pas là. Non, non, c'est pas là. Non, c'est pas ici. Pas ici. On va aller dans la chambre d'Harmonie. T'avais pas un chapitre à lire? On lira un chapitre plus tard. Déjà, là, il faut jouer. J'ai envie de jouer de ouf.
Et Caroline qui fête son année de soutien, qui nous réveille, Fleur de l'Ombre. Ah mais c'est mon anniv. Merci Caroline. Merci beaucoup. Je vais aller voir là. Joyeux anniversaire Caroline, merci beaucoup. Bon alors. Comète d'ombre en chemin. Oh non, l'enfer, c'est quoi la comète d'ombre déjà? Vas-y, go. Bon, on verra plus tard pour Luigi. Il va faire l'effort de tenir un petit peu tout seul. Devant ce tombeau. Ah oui, c'est vrai. La course. On y va, messieurs, dames, pour la 51e étoile. Merci, Monkey Soulsy, pour le deuxième mois. Eh, 51e étoile, messieurs, dames. Eh, c'est une symbolique importante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, c'est vrai. Je vais me faire éclater, je connais pas le parcours. Quoi, les moulins? Oh! Attends, bon. Il faut passer là, je pense, non? Dégage! Moi, je cut. Désolé, mon bro. Oh merde. Ok. Il me stresse un petit peu. Attends, une seconde. J'ai 3 vies. Mais non, j'en avais 50. Se fout de moi. J'en avais genre 50. What? Merci Xagon pour le subgift, merci beaucoup. Mais il est encore parti lui? Ah non. Tu repars à 5 vies à chaque lancement de partie. Ah ouais? Sérieux? Je ne savais pas du tout. Ça glisse, hein. En vrai, ça glisse, hein. Ça glisse de ouf. Très, très, très glissant, hein, comme terrain, là. On commence vraiment avec ça, là. Attendez, merde. J'ai même pas pris la vie, ça me fume. Elle est où le... Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah. Ok, bien vu. Ah oui, je peux faire ça. Tiens. Je vois rien. Voilà. Faire quoi? Est-ce que je peux sauter là? Voilà. Tu vas faire quoi? Merci Karmatsu pour le prime, bienvenue. C'est vrai qu'on peut patiner en fait. En patinant, ça va. La vitesse est bien sûr décuplée, 51 étoiles. Et on passe à toi, allez, bien sûr. Sur cette 51e étoile, bien sûr. Grosse dédicace à tous les buveurs de Pastaga sur cette 51e étoile, bien sûr. Merci Sraun pour le prime. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Eh, c'est Porta. Hein. Porta, c'est essentiel. Et l'essentiel, c'est Porta. Alors. Volcan de glace. En continuant. Mais c'est vrai que c'est un peu l'enfer, hein, la glace et tout. Ah mais oui, c'est le niveau sur lequel on a galéré la semaine dernière déjà. C'est hardcore. Enfin, moi j'ai du mal. Alors. Chemin de lave au pays des glaces. Mais je vais mourir là. Y'a pas de glace ici, y'a que de la lave. Et Luigi? Non mais Luigi, j'en faites pas, il est assez patient, hein, Luigi. Mais comment on enlève ça en fait? Ok, on n'est pas obligé de patiner tout le temps comme ça, ouais.
Non mais vous en faites pas, Luigi, on le croisera plus tard. De toute façon, c'est mon frère, on s'est jamais vra... Ah oui. On s'est jamais vraiment perdu de vue, hein. À chaque fois c'était... Ok. On va te laisser là. C'est des liens de famille qui nous unit... Yes. Lui et moi, donc... on va dire que c'est assez indestructible. Ok. Merci à Notawan. Pour le Prime, merci beaucoup. Alors, voyons voir ce qui se passe de l'autre côté. Bah oui, voilà, on va se reprendre une petite pièce, c'est très bien cette histoire-là. La perspective est particulière, hein. Ah, j'ai pas de fragments. Voilà, ok. Peut-être les récupérer là, les fragments. Attendez, est-ce que je tente un clutch? Là, là, non, là, là. 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 Est-ce qu'on le refait? Attends, ah. Ok. Est-ce que tu peux arrêter de patiner, s'il te plaît? Est-ce que tu peux arrêter, voilà, ce patin? Voilà, juste te calmer. Ah oui, d'accord. Effectivement. Bon, est-ce que tu peux reprendre le patinage? Merci beaucoup. On va aller chercher ce dernier fragment. De Triforce, bien sûr. La perspective du jeu me donne envie de gerber un max. Yes. Regardez en plus ici là, on va devoir aller chercher une pole position là-dessus. Et aller chercher ça. Et voilà, et boum, et ça part. Et on rentre dans une Pokéball de lave. Ah oui, il a l'air de faire sacrément chaud. Je le sais notamment grâce à l'effet sur l'écran. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, pas mal ça, une petite vie. Aïe. J'ai eu un coup de chaud d'un coup. Il fait chaud, hein. Il fait très très chaud ici. Ouais. Ouais. Nice. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est trop bizarre. Il ressemble pas du tout au reste, ce truc là, cet endroit là. Nice, ça met bien. Alors. Ça peut mettre très très bien aussi. On va le récupérer. Ya. Yeah. On dirait un pot un peu à la donjon des... Les donjons Zelda, vous savez, pour se téléporter peut-être. Non. Attends, c'était quoi ça? Quand je me colle, il se passe quoi? Rien. Alors là, je suis là. Attends, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est énorme. Merci Maximus pour le cinquième mois. C'est énormissime, je sais pas ce qu'il faut faire, mais je le fais quoi. Qu'est-ce que je fais? Ça me régale. Faut aller vers le haut là-bas. Wow! Non, c'est incompréhensible. Ouais, mais mets-moi là. Ok, j'ai rien compris, c'est nickel pour le moment. Little Ninja Lady, qui fête son 8ème mois, merci beaucoup. Alors ça déjà, comment les casser? Ok, pas comme ça. Yes. Bon, on va se remettre bien. Attendez, on arrive. Est-ce que si je passe là-haut? Je peux passer là? Ok, fleur de feu, ouais. Ouais, fleur de feu, ouais. Bien sûr. Merci Chef Panda pour le cinquième mois.
Garoli pour le deuxième mois, merci beaucoup. Voilà, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Ouais, y'a pas le time, y'a pas le time. Ah, ouais. Oh, nice. Voilà, note. J'ai vraiment pas du tout votre temps en fait. Et d'ailleurs, attendez. Ah. Ça, ça va l'ouvrir. Nickel. Nickel. C'est parfait ce qui est en train de se passer là. En termes de scénario pur et dur. Il prend des raccourcis sans faire exprès. C'était pas ça le chemin? Ah bon? Ah! Ah mais ça va pas la tête. On va le reprendre en boucle hein. C'était pas du tout ça le chemin. Ah ouais? Ah merde, j'ai triché? C'est interdit non? Oula! Et c'est énorme. Voilà, ouais, ouais, on stabilise, on stabilise. Mais c'est quoi le chemin du coup? Qu'est-ce que je fais? Ah mais c'est là en fait, il faut que j'allume ça, oui bien sûr. Ah c'était ça le chemin? Ah ok, et moi je le fais une fois que j'ai plus besoin de le faire. Ouais d'accord. C'est énorme. Je pense que les devs me détestent en fait. Littéralement, je pense que tous les devs de tous les jeux du monde me détestent en fait, ça les saoule en fait, concrètement. Ça les saoule, ils sont en mode, oui bon frère, on prend quand même quelques années pour développer un jeu d'une qualité, bah excuse-moi mais à pas piquer des hannetons. Et derrière tu viens nous casser les roubignoles en prenant des vieux raccourcis, c'est quand même assez scandaleux. Pas mal. Ça on va l'allumer, ça on va le tuer. Allez, ouais, ça on l'allume. Et là je sais pas trop ce que j'ai activé. Ah, ah oui, d'accord. Ça me semble effectivement plus facile de passer par là maintenant. Par contre, si je peux avoir une petite pièce pour me remettre un peu de... un peu d'énergie, ouais. Super, merci les devs. Merci les devs, merci beaucoup. Ils m'écoutent bien les devs hein. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ouais pas mal. Ok ouais ça met un peu la presse mais c'est ok. Là-bas il y a fleurs de feu, on va pouvoir les pulvères, c'est bien. M'embêtez pas, m'embêtez pas. Voilà. On va juste détruire absolument tout le monde hein. Enfin tant que possible. Non mais il va, ça va réapparaître rassure-moi. Eh t'es pas mort toi? Là, ah non. Ça réapparaît ou pas? Oh let's go. Oh le dodge. Pas mal. Pas mal. Ah. Voilà, je suis en train de complètement tous les cramer. Je me fais un max de fragments là. Un max de drogue ici là. Ah mais d'accord, ils en donnent plus au bout d'un moment. Ouais ouais ouais. Ils réapparaissent à l'infini mais bon. Les devs encore une fois qui font preuve d'une intelligence incroyable. Il n'y aura pas de farm infini. Je suis un peu deg. Qu'est-ce qu'il y a? Là. Ok. Ah! Ok. Bonsoir Cavati, merci pour l'abonnement. Bienvenue. Hop là, on va là, on va là, là, et là on... Oh, let's go! Qu'est-ce que c'est? Ok. Quand même. Quand même. Alors.
C'est marrant, hein, ce truc dans la lave alors qu'on est censé être dans la glace. Enfin, c'est... Ça me régale, quoi. C'est vraiment juste dingue ce qu'on est en train de vivre. En termes de plateforme pure, c'est dingue. Peut-être pas fait d'effort, là, non plus. Ouais. Oui, non, là, j'ai peut-être pas fait d'effort, ouais. Effectivement. Là, j'ai vu... C'est... Ouais. Peut-être... Précipitation. Tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec, avec cette idée de précipitation. J'ai fait preuve de ça, j'avoue. Ah! Bien joué. Non, mais bien joué. Très bien joué, le bloc là-dessus. Body block, bien joué. Ça, c'est de la merde. Non. Ouah, là, on est mal. Là, on est dans une merde. Ok. Ok, c'est la merde. Ah! Bon, quand la panique est là, c'est terminé pour moi. On reprend. Let's go. Tu joues avec quelle manette? Je joue avec les Joy-Con. C'est la sauce. Allez, on y va. On garde toute notre vie. Là, ici, on passe fast. On y est, on esquive ça. On passe fast ici. On regarde un petit peu le chemin. On voit qu'il y a effectivement ici une caisse. Ok, bon, bah, un peu deck, du coup. Ah. Il est éteint. Je n'ai plus qu'à le dégommer de cette manière. Le mettre là. Il ressort, bien sûr, parce qu'il est dans la lave et que la lave, c'est juste sa vie, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, mais c'est-à-dire, là. De 1. Attendez. Faire le deuxième, là, ça va être magnifique, le deuxième, je pense. Le deuxième est ici. Sublime, sublime. Il est sublime, celui-là aussi. Ok, je vois que le tapis rouge, le tapis rouge... Magnifique, c'est magnifique. Non, c'est... On a perdu quelques vies quand même, mais c'est magnifique. Le pixel perfect. Tellement pas du tout. Nouveau record, une pièce. Je me suis donné pour celle-là. Hein. Il fallait aller la trouver, cette pièce. Et la choper, hein. Voulez-vous sauvegarder? Ah oui. Putain, ça fait plaisir. Hors sujet, Ponce, mais la manette GameCube est maintenant compatible avec Mario Sunshine. Et bah voilà, bah c'est hors sujet, mais c'est tout à fait intéressant, on aime ça. Encore? Ça va être quoi, là? Il y a quand même pas mal de temps de jeu sur les galaxies pour les 100%. Je sais pas du tout. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire le 100% galaxie. Et après, on passera sur Galaxy 2. Voilà. Donc, il nous reste encore pas mal de trucs à faire. Et après Galaxy 2, on fera... 3D World. Et après, on fera Odyssey. Voilà. Il y a pas mal de trucs à faire, ouais. Pas mal de trucs à faire, ouais. 3D Land, pardon. Non, je sais pas. En fait, je me tâte encore, en fait. Est-ce que je passe de Galaxy 2 à Odyssey ou derrière je mets un 3D Land ou... Petit Galaxy 3. T'as pas joué à Odyssey? Si, à Odyssey, j'ai joué une dizaine d'heures et puis j'ai arrêté. Mais là, vu que je suis dans la lignée, les faire dans l'ordre, c'est marrant, je trouve. Du coup, je pense que je me chaufferai à faire un let's play dessus et à le terminer. Aïe! Ah pardon, je croyais que c'était une plateforme. Oh, la surprise est totale. Waouh, waouh! Waouh! Mais attendez, mais du coup... Ça tend from Cisco. Merci beaucoup pour la fête des fleurs et les 5 abonnements offerts. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
poids. Ah, poids. Let's go! Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, marée basse, marée haute, c'est intéressant. Marée basse, marée haute, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah non, je peux pas y aller, pardon. Oui, c'est vrai, je peux pas y aller, dans l'eau. Justement, marée basse. Aïe, non, pas maintenant. Ok, on remonte, on sort d'ici, c'est la merde. On attend la marée basse. Attends, ils peuvent pas dégager. Merci, Endold, pour le 7ème mois, merci beaucoup. On galère à faire du Twitch travail en ce moment, mais merci pour tout, Ponce. Aïe, aïe, aïe. En même temps, ça doit être tellement dur là de se bosser. Ça fait des mois que ça travaille à la maison pour beaucoup. Ça doit être tellement dur de se chauffer. Un mois pourquoi pas, deux mois pourquoi pas, trois mois ok, mais plus t'avances, plus c'est chaud. Merci à Rock. Je vais mourir en fait. Non. Merci à Artin Déchu aussi. Pièce ? Non. Des fois c'est compliqué. Bah j'imagine. Honnêtement, déjà le télétravail de base c'est pas simple et c'est pas fait à tout le monde. C'est vraiment compliqué un télétravail. Enfin, compliqué. Particulier quoi. Du coup, Non ! Nice. Pour les gens qui ont pas du tout l'habitude ou qui apprécieraient pas forcément, c'est chaud quoi. Moi je kiffe le télétravail. Ouais, mais est-ce que tu kiffes parce que t'es chez toi et t'es bien et tu branles pas grand chose ? Ou est-ce que tu kiffes juste parce que t'arrives à t'organiser chez toi ? Parce que c'est ça en fait le truc. Ah ! Ah ! Est-ce que je peux aller là-bas ? Ah bah oui ! C'est la merde ici. Ah, j'ai pas vu ça. Oh non, mais là c'est horrible. Bon, attendez. Je sais pas quoi faire. Si, si, je sais quoi faire. On va tenter un truc, ok? Maintenant. Non, pas maintenant. Pire moment. Le gars, c'est une catastrophe. Il fait... Tout se passe bien. Non. Ah, jusqu'au dernier moment. Bon, ça, c'est intéressant. Non. Bah non. Non. Voilà. Je vais tenter un truc. Aïe. Merde, putain. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Casse-toi. Ok, super. Super. Pas maintenant. Maintenant. Pas maintenant. Voilà, on saute tranquille. On saute tranquille. Don't panic. Don't panic. Ça me fume. Ok. Putain, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Quoi ? Ah ouais ? Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Oh, y'a un truc là. Oh, j'y vais. Non ! J'ai fait la même connerie. Mais non ! Ah ! C'est pas grave. Ah ! Ah non. On va checker ça. Merde. On va checker. Ah mais il s'accroche pas assez, je peux pas wall jump. Ah l'enfer. Oh j'ai tellement bien fait, je suis très gagnant dans l'affaire hein. De la merde. On va repartir. Bye bye le CV. Ouais, complètement. C'est vrai. Bon, voire même bye bye. Oula. Très bien. On va attendre que ça, ça descend, ça descend. Ah. Très bon ça. Très bon ce qui est en train de se passer.
très très bon là ce qu'on vit. Magnifique. Énorme, j'avais toute ma vie. Est-ce qu'on peut refaire comme tout à l'heure? Ça a été très utile. Hein. Ça servit à rien du tout. Ça a été très très utile. Hein. Ok. Donc. En fait, je sais pas quoi faire. Ah si, il y a ça là-bas. Ah, il y a la lave! Oh, le mauvais moment. Oh, le mauvais moment. Oh, le pire moment du jeu. Oh, là, le dodge est magnifique. Into ça, into ça. Qu'est-ce que je fais, en fait? Ok, j'ouvre ça. Ah! Ok, pas mal. Ah! Ok, c'est nickel. Excusez-moi, 2-3 cris comme ça de pression, mais ça se passe bien. Pour moi, tout va bien. Je vois rien. Je peux pas bouger la cam. Est-ce que là ce serait pas une vie? Ouais, je sais pas, on verra plus tard. Je crois que là il y a une plateforme, non? Ouais, voilà. Cette vue me fume à chaque fois que je... Là on va essayer de faire ça. Non! J'ai mal visé, sérieux? Je savais même pas que c'était possible. Nice. Quoi? Voilà, bien, bien, bien. C'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Je vois rien. Bon, YOLO. Est-ce que là ça va ou pas? Je suis en full YOLO là. Et là je reviens au début. Ok. Attendez, mais j'ai raté un truc ou quoi? J'ai raté un machin. Donc je suis arrivé par là, je suis arrivé, j'ai vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Là, bim bim bam bam. Tac, ouais. Ah, est-ce que je peux passer là? Ah, je sais ce que je vais faire. Faire ça. On va commencer maintenant à partir, on va se placer. Là, là j'ai vu qu'il y avait ça, mais... J'ai vu qu'il y avait une cassure dans le mur, mais j'ai pas de carapace ou quoi que ce soit. Quoi? Ah! Ah! Au pire, je meurs, hein, c'est pas grave, on refait. Hein. Est-ce que j'ai des trucs à allumer là? Je vois pas. En haut peut-être? Je vois rien allumer. Ok, non. Pas de torche. Ah mais c'est ça que je dois allumer. En fait. C'est énorme. Depuis tout à l'heure je perds de la vie pour rien là. C'est super. C'est super. Doucement, doucement, doucement.
vite. Non, pas là. Ah, oh, mais non! J'ai plus lutté contre la mort que vous. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir. Non, on tempo. Le tempo est magnifique. On monte là-haut. On y retourne. On n'a plus qu'un truc à rallumer, donc pas de pression. No pressure. L'orbite est parfaite. Normalement, là, si ça le fait... Ok, j'ai cru que j'allais mourir. Quel jeu, bordel de caca, quel jeu! Juste une petite pièce, moi, je suis chaud. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me fait quoi déjà ça? Est-ce que ça fait que je peux marcher dans la lave? Bon, on va tester, au pire on meurt, c'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est bien ça. Attention à ça quand même, on va se mettre juste au-dessus de lui pour voir. Oh, j'ai eu peur, ça va. Ok. Ok, je me précipite, c'est pas grave. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Déconnez pas. Ouais non, c'est tendu, on a... Non! Très particulier. Très particulier ce monde. Très chelou. Allez, on reprend. J'ai glissé chef, on en parlait hier justement, effectivement. Allez, go. Voilà, hop là, on y va. On est en pure smurfing. Pas du tout, on va mourir. Pourquoi j'ai ouvert ma bouche? On va mourir. On n'est pas du tout en pure smurfing. Hein. Si jamais les devs m'entendent, je joue pas du tout en pure smurfing, je déconne. Hein. Bien sûr. Oh, le jump qui passe, il est magnifique. On y va. Est-ce que j'aurai assez de temps? Je suis obligé de cut. Exact. Non, c'est vrai. Très bien joué. Plaisir ce petit niveau là, trop cool. Il faisait plaisir ce niveau. Il m'a fait transpirer. Mais en même temps, ça fait transpirer. Ce jeu fait transpirer concrètement. Oh! Oh! Une petite étoile secrète! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je l'aurai plus tard? Avec une comète, je pense. Mais Luigi, il était pas là. Attendez, je check ce que c'est là. T'es dans la chambre de maman. Ouais, je suis dans la chambre de maman là. C'est quoi ça? Ça glisse sur la montagne de glace? Et qu'est-ce qui se passe? Même lui, je l'ai déjà tué. On s'en rappelle. Donc là, il y a une étoile secrète quelque part. Hé vieux! Toi aussi, tu t'es en train de faire du patin à glace? Alors fais la course avec moi! Tu crois que tu pourras m'attraper? Mais non, justement, je... Non, parce qu'en fait, moi, mon but, c'est d'avoir une étoile secrète. Du coup, c'est probablement pas avec toi que je dois la choper. Je pense. En vrai. Je sais pas. Attends, du coup, tu m'attraperas pas. Si, continue. Tu verras.
Continue. Non mais c'est bien. Tes mouvements sont fluides. Ok. Ouais, je pense qu'il y a rien. On va procéder par élimination. Hein. Oula. Attendez. Boum, on détruit. On va procéder par élimination. Je crois qu'ici, il n'y a rien. Je vais me mettre en orbite. Propre. Bon, du coup, non. C'est pas ici. On va aller chercher ailleurs. Viens là, toi. Viens là, c'est bon. Hop là. Alors, pas mal pour un vieux. Avec autant de techniques, tu devrais pouvoir t'en sortir là-bas. Et là, du coup, j'ai pas débloqué genre autre chose, une autre étoile qui m'amène ailleurs ou pas. Je sais pas. Bon, faudra qu'on remette ça, de ouf, c'était fun. Merci, Gélo Grèche, pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Bon. Ah oui, c'est vrai. Putain, je venais découvrir un truc avec la cam, je peux pas le faire. Je peux pas les détruire, les pierres. Y a pas de fissure. Quand y a pas de fissure, c'est qu'on peut pas les détruire. Non, mais écoutez, on va continuer, hein. Ça doit pas être là. Hein. Bah oui, y a plus de chances que ça soit là, effectivement, ouais. Alors, peut-être tout tuer, hein, non? Aïe. Ah, peut-être ça? C'est quoi ça? Merci Faster Than Jack pour le quatrième mois, merci beaucoup. Je vais aller checker ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je peux y aller ici déjà? Est-ce que je peux passer là? Oh, c'est un peu tricky comme tentative de passage. Et pourtant. Non. 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 Non, non, c'est pas ça. Alors, si jamais je... Bon. Parce que je suis jamais allé là. C'est nouveau ça, non? Ah, c'est juste... Ah, merde. Ah, j'aurais juste... les 6 vies... Enfin, les 6 PV et la vie. Ouais, c'est pas ça, du coup. Je comprends pas du tout. Où est-ce que ça... Et là, je tombe où? Là, ouais, ça c'est un truc qui monte des fois, et si jamais t'as les patins à glace, bah tu peux... Ouais... Merci Natomia, pour l'abonnement, bienvenue. Écoutez, Oui, je pense que la vie elle est faite de rencontres, elle est faite de ce genre de petits moments agréables, ouais. Complètement. Ah oui, c'est ça. Ça pop ici. Bon, bah, on va peut-être prendre ça, je pense. Je comprends pas, il cherche quoi. En fait, il y a une étoile cachée ici. Je cherche une étoile cachée. Voilà. Et vu qu'elle est cachée, et que je suis pas non plus le meilleur des chercheurs, on va pas se mentir. Bah, j'avoue que je trouve rien. Super. C'est super. C'est quand tu gardes le joystick vers la même direction mais que ton personnage fait un demi-tour. C'est énorme, c'est un régal. C'est un régal. Oui. Oui. Bon, je pense pas que ce soit ça du coup.
Voilà. Il y a une deuxième grosse pièce ? Ah, je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue. Oh. Let's go. Ah si, je l'ai vu effectivement. Si, je vois, si. En face là-bas, là ? Si, je l'ai vu, bien sûr. Ah, c'est ça le truc caché ? Ah oui ? Ah, d'accord. Non, du coup, c'est pas ça, hein, c'est énorme. Ah ! Ah bah je vais pas tarder à mourir je pense ici. Et pourtant. Nice. Bon alors. J'ai quand même 81 pièces hein. J'ai pourtant 81 pièces, je suis vraiment pas mal. Ah il y a encore une pièce là effectivement. Est-ce que je peux faire un petit wall jump là ? Voilà ! Alors évidemment je le précise, je regarde pas trop le chat dans ces moments là parce que bah... parce que je joue etc, je suis bien dans mon jeu etc, mais surtout ne pas backseat, et si des gens backseat ou spoil, franchement les modos... régalez-vous de votre épée. En vrai, merci Steam pour le sixième mois, merci beaucoup. J'y suis déjà allé là. J'ai déjà fait tout ça là. Quel est votre problème? Ah voilà. Alors, on peut monter là, là-haut c'est là où il y a le boss et qu'on a vaincu la dernière fois. Là il y a une vie. Là, il y a des pièces. Ah ! Comment je fais pour aller là ? Non, on va se mettre sur le bord. Ah bah oui. Attends, quoi ? Est-ce qu'on peut passer là, vous pensez ? Là ? Là ? Parce que là... Tac, tac. Bon, on peut passer... Je pense que je vais passer là, hein. Vous savez quoi? J'ai envie de tenter un clutch d'ici. Surtout que c'était rien. Il y avait rien qui était possible. Absolument rien qui était possible. Allez, go. On le tente comme ça. Absolument rien qui était possible. Merde, je pensais que j'allais être dessus. Et là, on va tenter un truc. Ouais, non, ça a pas l'air d'être ça. J'ai du mal à étudier le système, je pense. Oh, ok. J'ai du mal à étudier le système, je pense. On va retenter. Après, c'était assez close, hein. Et là, si je fais un triple saut 1... 1, 2. Attends. Attends, non. Ah ! Ok. Triple saut, en vrai, ça passe, c'est ce que je me dis. Merci Peach Moulex pour le 7ème mois, merci beaucoup. Je pense que le triple saut passe aussi. C'est juste que je le rate, quoi, purement et simplement. Ah mais voilà. Alors. 1, 2, 3. Yes ! Bonjour. Bonjour.
On détruit des bonhommes de neige? Sérieux? Ah, ah! Puis sur mon jump! Déjà 5 mois, toujours un plaisir. Merci Atomic Fart. Ah, ok. On va faire ça. Voilà. On va faire. Ah, mais arrête! Oh! Voilà. Quoi? Je l'ai touché avant, je l'ai touché avant. Ah, l'aide. Ah, je peux pas les tuer. Quoi? Oh, je me fais... Mais voilà, ta 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 ta. Quoi? C'est incroyable. On va les ignorer, du coup, hein. On va faire comme s'il y avait personne. Même s'il y a des gens, hein. Et qu'on les voit, hein. On les voit, hein. On les voit, hein. Bon, moi, je vous vois, en tout cas. Ah, mais voilà, aussi. Tu m'attaques pas maintenant. Attends un petit peu avant de m'attaquer. Attends un petit peu avant de m'attaquer, s'il te plaît. Enfin, je sais pas, juste attends que je sois prêt à recevoir cette attaque, parce que là, j'ai pas pu. Je vais tenter. Eh ouais, mais là, elle vient pas. Vas-y, là. Ah non, je l'avais plus. SMS, pompon. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Regarde tes SMS. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout le monde me dit tes SMS, SMS, SMS? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? SMS. SMS, SMS. J'ai pas de message. J'ai pas de message. Alors par contre, je précise une chose, c'est que... Je précise une chose, c'est que je capte pas le réseau téléphonique chez moi. J'ai que le wifi. Voilà. Donc voilà, il y a certains SMS qui ne parviennent jamais à moi tant que je ne suis pas sorti de chez moi, c'est assez énorme. Tout comme certains appels, hein. Attends. Voilà. C'est si propre en vrai. C'est si propre, c'est si timé, y'a rien à dire. Hein. Ah, le pire moment. Ah, mais je pense qu'il va me le re. Ah, l'erreur. Attends, quoique. Non, c'est bien. Est-ce qu'il me le fallait encore peut-être? Non, ça a l'air ok. Ah! Ouais. Ah, ça c'est bon ça. Voilà, ça c'est bon. Après on le reprend tranquille. Orange Bouygues ont une fonctionnalité qui s'appelle Appel SMS Wi-Fi. Ponce, j'ai la même galère que toi, ça me change la vie. Ah! Attendez. Si tu as reçu un... Ah! Ah oui, attends, Ultia. Je vais aller dans ma... Je vais aller dans ma... Dans ma cuisine. Je capte normalement. Je t'envoie ça, Ultia, bien sûr. Ce SMS de validation Google, hein, évidemment. Je sors l'antenne, j'arrive. Putain, mais c'est vrai en plus, je vous jure que c'était vrai, hein. C'est-à-dire que là, j'ai dû aller dans mon salon, à côté d'une fenêtre, j'ai capté une barre, j'ai reçu un SMS de Google avec un code,
Genre vraiment, c'est... Je suis... Je sais pas dans quelle année je vis, moi, mais c'est vraiment... Je suis perdu, hein. Incroyable. Franchement, c'est incroyable. Mais après, Ah, mais c'est le début, là. Qu'est-ce qu'il fout, l'autre? Attends, c'est le début, là? Ah non, c'était pas le début. Pardon, c'était pas le début. On se dépassait par la technologie. Non, c'est pas ça, c'est que... Excusez-moi, on va dire que je m'acharne. On va dire que je m'acharne, mais... Savez-vous chez qui je suis au niveau du téléphone? Oh là, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Ah, merde, je regardais le chat. Yes, on est redescendu tout en bas. C'est nickel. C'est nickel. Parfait. Je suis chez SFR, ouais, tout à fait, avec mon téléphone, ouais. Et comme vous pouvez le voir, le réseau est parfait. J'ai rien à redire sur le réseau SFR. Il est insane. Je suis chez Orange, c'est la même. Ah ouais? Parce qu'en en vrai, c'est assez infernal. Hein. C'est-à-dire que vraiment, chez moi, je ne capte pas. J'habite quand même en région parisienne. J'habite en région parisienne. Je ne capte pas chez moi, quoi. Et pourtant, j'habite pas dans une grotte ou dans un endroit vraiment fermé ou quoi que ce soit. Hein. Enfin, je sais pas. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Qu'est-ce qui se passe là? Par contre, on avance, hein. C'est bien. Hein. Vous pariez, je tombe là? Oh là, attendez. Et ben voilà. Voilà. Parapam. Tu devrais activer les appels Wi-Fi. Bah après moi j'ai un iPhone donc j'ai les FaceTime et j'ai les, vous savez, les SMS par Wi-Fi quoi. Les iMessage je crois qu'ils appellent ça. Mais bon. Merci Bautier pour le cinquième mois. Merci Mala aussi pour le troisième mois, j'avais pas vu. Merci aussi Lineal Youpi pour le dixième mois, j'avais pas vu non plus. C'est énorme, merci beaucoup. Connaissez-vous FaceTime? Bon allez, on continue, messieurs dames. On l'a eu cette étoile mystère? C'est juste un régal, ce jeu. Je passe juste du temps extrêmement agréable sur ce jeu, c'est de la frappe. Nouvelle galaxie, nouveau monde, nouveau défi, nouveau kiff. Île sablonneuse. Fêter les 4 mois le jour de mon anniv, je trouve ça propre, j'en profite, merci Ponce pour tes lives. Ils améliorent mes jours de télétravail de manière non négligeable depuis cet été. Eh ben joyeux anniversaire et merci pour le soutien Tixon. Joyeux anniversaire à toi. Et merci Franprix. Merci Franprix pour le troisième mois. Île sablonneuse. Les vents du désert. En général, moi, il y a dans les Mario 3D, il y a deux choses que j'aime pas. Il y a l'eau et il y a le sable. Let's go. C'est le jeu de mon enfance, adolescence. Je suis tellement content que tu kiffes, j'avais une appréhension. Franchement, si je pense que si t'aimes les Mario... si t'aimes Mario, je pense que c'est assez difficile de ne pas aimer ce Galaxy quand même. Hein. Je vais mourir là. Oh là là. Je pense. Merci aussi pour te souhaiter du courage pour l'île sablonneuse. Ah ouais, à ce point-là? Ok. J'aimerais bien prendre des pièces. Qu'est-ce que... Ok, ça m'envoie en l'air. Ok, c'est un effet très Kyo, quoi. Super. Est-ce que je peux cancel? Ok. Ah oui, je peux cancel comme ça. Ok, d'accord. Ah, c'est un peu court, ouais. Ah, ok. Quel plaisir, le sable. Quel plaisir, ça fait plaise. Ou... Vous voyez? Ça, c'est du divertissement. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est fun. Là, on s'amuse vraiment.
voyez ce que je veux dire? Là, c'est rigolo. On va y aller maintenant. Et c'est bon, là. Oh oui, très largement, je peux même aller là-bas. Oh, c'est greedy. Let's go. Après, donc, le tuyau, ok. Mais attendez, on peut faire deux. Faisons l'hélicoptère là. Et peut-être suivre ça pour faire l'hélico ici aussi. Je peux? Je peux? On peut faire ça ou pas? On peut pas? Ah si. J'ai paniqué, pardon. J'ai paniqué. Bonjour. Bonjour, je suis Mario. Un des personnages principaux du monde de Nintendo. Ça, c'est du sable qui me tue, ça. On va continuer à descendre, alors. Ah oui, non, ça tue pas, ok. Principaux, bien sûr. Franchement, on va trop, là. Il faut pas que je reste trop longtemps... Ok. Merci manche courte pour le cinquième mois, merci beaucoup. Tu feras attention, il commence quand même un peu à faire froid. Quand même. Ouah, j'en ai vécu des échecs, mais alors des comme ça, ça aurait été très dur. Hein. Aïe. Ça me fume. A chaque fois c'est pixel. A chaque fois je fais de la merde mais genre pixel. C'est énorme. Ah oh, celle-là elle est magnifique par contre. Celle-là elle est sublime. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On va faire ça hein. Qu'est-ce que c'est que ces boutons? Bien sûr. Maintenant. Oui. Oui. Comme ça. Waouh. Oh, je me suis pris un mur dans le fond là. Oh. Ça là ça va être du... Oh nice. Il faut tout tuer là. Je pense qu'il faut en profiter pour tout tuer là. Bah y'a plus personne. Ah. Sérieux? Sérieux? Aïe. Allez Mario, on y va. Oh let's go. Je me mets bien là en fragment d'étoile en vrai. Ah y'en a même là-haut. Bien sûr, on va les gratter. Bien sûr, on va les gratter. À quoi servent ces cristaux? Les fragments d'étoiles? Alors, 50 fragments d'étoiles te donnent une vie. Et ensuite, tu as des fois certains Lumas qui ont besoin de fragments d'étoiles. C'est un peu comme une monnaie, parfois, en gros. Merci, Razorzur, pour le 7ème mois. Merci beaucoup. Ah, merde, ils étaient là! Oh, la feinte! Oh, c'est très bien joué de leur part. Attends. Pas con, celui-là. Pas tout à fait con celui-là. Et c'est aussi des munitions effectivement pour tirer. Par exemple, regardez. Bon, il y a un bullet drop qui est pas négligeable, effectivement. Effectivement. C'est un peu mou quoi. Un peu mou. Mais regardez maintenant, regardez. Oh non. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle chie des bombes. Voilà. Ok. Tout va bien. Tout va bien dans le milieu de Nintendo. Hein. Tout le monde est heureux apparemment.
Il fait trop de la peine. Ah ! Morte. Terminé, bonsoir. Merci mouton pour le 6ème mois, merci beaucoup. On va y aller dans cette tornade, on va y aller. Magnifique. Ok, ça va. Ah, il y a un mur invisible là ? Attends, quoi ? Ouais, à l'aide, allô. Ah. Martoon, merci pour le 9ème mois. Ouais. Aïe. Ok, super. Super. Ah, peut-être. Allez. Ah. Super. Ah non. Celui de gauche ou celui de droite, mais qu'est-ce que j'en sais. Premier venu. Oh oui. Oh oui. Magnifique, c'est magnifique. Hop là, on ramasse tout, on y retourne, on est bien. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que j'ai débloqué. Ça devait être super important. Probablement. Merde. Énormément de choses débloquées là aussi. On va y aller, hein. On remonte instant, non? Je sais pas. Non mais c'est un labyrinthe ou quoi? Non, j'aurais jamais dû faire ça. Bien sûr. Là, c'est très bien joué de ma part. Super, super. Merci Fiat Panda pour le 2ème mois. Merci beaucoup. Phénomène. C'est magnifique. Ashlabak qui fête son 3ème mois, merci beaucoup. Bientôt 20 jours de confinement dans mon appart étudiant, heureusement que tu es là pour me remonter le moral, des bisous pompons. Bisous à toi, merci pour le soutien, c'est gentil. C'est vrai que les confinements dans les appart étudiants, c'est... yes. Super. C'est pas simple quoi. C'est vraiment pas simple, effectivement. Ah putain, il n'y avait pas de gris. Si le rattrapage du joueur français. C'est magnifique. C'est sublime. La remontada. Il n'y avait pas de vitre. Comment je pouvais le deviner? Mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout celui-là? Bah je sais pas. Tu parles à toi-même? Ouais. Ok. Chelou non? Ouais. Honnêtement ouais. Non mais... Là, oh il est un peu exté. Il peut aller un T, parfait. C'est bon. Pour ce joueur inconscient. On est sur de la découverte ici. Hein. Heureusement que j'ai tournoyé parce que sinon c'était l'enfer. Ok. Ah, je pensais pas toucher. Je touche. Oui. Je touche. Non, il est pas encore là. Maintenant. Je touche. Je me mets là. Je fais ça. Hop là, ça monte. Ah, ça disparaît, j'avais pas vu. C'est super. C'est super. Ah. Racine de 9. Trois. Le jeu va encore le bolosser. Ah, c'est pas terminé. Oh, vous avez bien fait de dire cette phrase, messieurs, dames, peut-être. Ok. Il fait peur. Yes. Sont belles ces étoiles. Oh, hey. 55. Putain, on a fait que 5 étoiles depuis le début du live. Je pensais qu'on avait fait plus. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Genre là, par exemple, si tu me dis que sur le jeu, il y a 900 étoiles, je suis refait. On va parcourir Hyrule pour trouver toutes les étoiles, ça va être parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, quelqu'un a faim. Quelqu'un a faim.
On va aller le nourrir. Hé, hey, toi là, t'aurais pas des fragments d'étoiles? J'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles. Je veux en manger plein, plein, plein. Hé, hey, oh, je veux des fragments d'étoiles. Si tu m'en donnes 800, je me transformerai. Hop là, bien feed. Et ça y est, je suis repu. On y va, transformation. Super. On y va instantanément. T'as l'air bien en ce moment, ça fait trop plaisir. Bah ouais, pis c'est de ouf. Bah je joue qu'à des jeux trop bien, hein. Ouais, honnêtement, en ce moment, c'est trop bien. La planète du poisson antique. Ah non. Ah non, moi j'ai un peu la phobie de tous ces délires là. Oh, le coffre. Oh, il est beau. M'embêtez pas, moi je reste là. On démontre. Aïe, ah non. Je peux pas le tuer? Pas comme ça en tout cas. Ok. Laisse-moi. Qu'est-ce qu'il faut à quatre pattes énervé? Je voulais bien évidemment lancer la carapace, vous imaginez bien, sur le coffre, hein, qui se trouve exactement à finalement 57 cm de moi. Hein. Ça a été raté, bien sûr. Olivier Giroud là-dessus. Ah, ok, c'est pas ça. Non? Attends, aïe. Lorsque brillera la carapace, le cercle, le couvercle s'ouvrira. La carapace brille. Alors je la mets dans les flammes par exemple. Oh merde. Je déconne. Elle brille quand en fait? Ah mais il y a lui, bonjour. Non, mais venez, je parle un petit peu. Est-ce que lui... Ah. Ok, ça met bien. Non, je vais aller tuer le deuxième. Il a tenté de me dodge, hein. Ce que je peux comprendre, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'il a, lui? Ici, c'est mon refuge secret. Il est en forme de poisson. C'est beau, n'est-ce pas? Ah, c'est tout? Pas plus d'infos, Sérieux? Mais je vais mourir là. Pourquoi j'ai fait ça? Pour aller chercher cette vie? Oh non. J'ai un peu peur. Bon, il me faut cette carapace, c'est sûr. Elle brille quand? Ah, nice, la petite piécette là. Ah! Oh. C'est bon ça, il faut juste que, vu que c'est un jouable parce que je suis sous l'eau actuellement. Aïe. Oui. Est-ce que je peux récupérer ces pièces? Je suis perdu en fait. Bon, vous savez quoi? C'est pas grave. Bon, je vais remettre ça. Je vais retourner voir ce qui se passe parce que là, j'ai pas compris le principe. J'ai oublié des pièces, ça c'est ce qui me fait un peu peur. Hein. Ah, complètement, ouais. Allô? Ouais. On prend. Ok. On prend peut-être ça? On le prend ce petit champi là? Tranquillement, ouais. Voilà. Super.
Hop là. Bon. On reprend ça. Mais il faut absolument que je récupère de quoi me récupérer un petit peu d'énergie parce que là c'est horrible. J'ai compris que j'avais un d'énergie, ça va, c'est assez clair effectivement. Oh. Je peux passer là ou pas? Dis-moi qu'il y a des pièces. Oh non, il y a des méduses, on a regardé des reportages sur des méduses tout à l'heure. Hier. C'est un peu stressant du coup. Est-ce que c'est... Oh, une carapace qui brille. Ça tombe à pic, c'est exactement ce que nous cherchons. Des pièces? Toujours pas. Alors, où est cette carapace? Ah, ok. Oh, il y a des fragments, d'accord, ok, d'accord. On avance. Alors, je vous tiens informé, hein, pour ceux qui n'auraient que le son et pas l'image, du coup, et qui capteraient pas, donc... Là, je suis actuellement à 1 d'énergie... Donc là, bah, du coup, je suis mort. Voilà. Pour ceux qui capteraient pas, hein, bien sûr. Actuellement, j'ai perdu une vie. Coup dur. Honnêtement, je trouve que c'est pas plus mal que je sois mort parce que j'en pouvais plus du son et je trouvais pas de pièces. Non, sérieux, hein. Comme ça, on refait ça sereinement, on est bien. Regarde lui, là. Bon. Oh, mais c'est worse, hein. Sans déconner, c'est ultra worse, hein, ce qui se passe. Je vais essayer de faire un trou plus gros avec ma carapace, si je peux. Ah, voilà. C'est pas mal. Maintenant, comment je fais pour récupérer une carapace qui brille? Ah bah elle est là. Ah non non, non non, ça c'est des fragments. Ok, on va récupérer ces fragments au sol en faisant attention bien sûr à lui. Ah, bon, on a dodge mais on n'a pas pris le fragment. Je prends ce fragment middle là. Qui est assez chiant apparemment. C'est pas mal. Je vais remonter, prendre... Ah mais non, pas besoin, pas besoin. Je vais me retourner. J'arrive pas à prendre celui-là, là. Voilà. Ah! Waouh. Waouh. Ok. Super. Et le dernier est où? Oh, l'immersion est totale. Hein. Allez, il est là. Il va arriver vite parce qu'il y a un truc qui va... Nice, qui va arriver derrière. On va aller chercher ça, bien sûr. Ils sont trop choupis, les méduses. Ouais, j'ai pas trop envie de les toucher, mais ouais, c'est mignon. Magnifique. La carapace dorée est là. Wouah, les piranhas, ok. Oui. Ok. Méduse vénéneuse ou venimeuse? Ah, ça dépend des méduses, hein. Ça dépend des méduses, honnêtement, ça dépend des espèces. Ok. Donc... Il est où le mur? Comment ça, à tout jamais là? Ah non. Vite. Quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent tous là? Mais attends, il y en avait deux tout à l'heure. Parfait! Et là, je rate. Mais non. Je pouvais plus respirer! Mario! En fait, tu es tombé dans ce coffre en voulant attraper une super étoile, c'était terrible!
Bon, quoi qu'il en soit, prends la super étoile. Je l'ai trouvée. La menace ? Prends la super étoile ! Est-ce que je prends le risque d'aller chercher les trucs que j'aurais oubliés sous l'eau ? Je sais pas. Non, je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup ? Non, y'a tout. Y'a pas une personne qui dit oui. Non. 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 Non, non, vraiment pas du tout. Ça ne sert à rien, je pense. Non, vraiment. Galaxie complète. Et du coup, je peux pas y retourner, plus jamais. Oh ! Attendez. Maman ? Si la salle des machines à l'étage supérieur est réactivée, l'observatoire retrouvera ses fonctions d'astronef. Ainsi, nous pourrons nous rendre au cœur de l'univers, où t'attend celle qui t'est chère. Ah, j'aurais tellement dû aller. Ah oui, Luigi. C'est vrai ça. Luigi va tout casser. Luigi va tout casser. Alors attendez, où est Luigi? C'est la question. J'ai même pas vu. C'était... Si, je crois que c'est celle-là. Je vais aller voir là-bas. Je vais aller voir là-bas. Ah oui, la photo, je peux la checker comme ça, je crois. Ah, c'est le bateau avec les trucs électriques. Je vois très... Enfin, je me rappelle très bien avoir fait ça. Je sais plus exactement où c'est, mais je me demande si c'est pas à l'observatoire, hein. Jamy, t'as encore oublié. Oui, j'ai cru voir, hein, ça fait à peu près 10 minutes que ça spamme dans le chat, j'ai cru voir effectivement. Écoutez, une fois pourquoi pas, deux fois, je pense que ce soir je le démolis, Jamy. Merci beaucoup Célie pour l'abonnement, bienvenue. Merci. Alors, je crois que c'est celle-là, forteresse sur Rochelle, c'est celle-là. Voilà. Pam pam. Attends, mais là je dois refaire exactement une chose que j'ai déjà faite. Moi je pense, hein. C'est-à-dire qu'en fait il est trop chiant, Luigi, bah. Trop chiant, il est en mode mec, j'ai trouvé une étoile. Bon, je sais que tu l'as déjà eu, mais écoute, on va voir. J'ai très mauvais souvenir de cette galaxie. Ah ouais? Non, on l'a fini la semaine dernière, ça s'est très bien passé. Là, je vais juste surtout. Non mais pourquoi je fais ça d'ailleurs? Ces fragments là. C'est pas du tout pour aller là où on veut aller. Ah si si, bien sûr, c'est pour pouvoir aller là-haut. Si si, bien sûr. Ah oui. Du coup l'étoile est vers là-bas, je crois que c'est ça, hein. Je me rappelle plus. Ah si, donc là va falloir éviter. On bouge. Si si, je crois que l'étoile est là-bas, ouais. Et concentré.
Là, on va tenter un clutch. Pour le plaisir. Oh, nice. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On se met bien, on se met bien, on se met bien. C'est parfait, c'est parfait. On évite les boules. D'habitude, les boules, je les tire ou je les pointe. Là, je les évite, c'est vite, tu vois. C'est une catastrophe. Bon, maintenant. Bon, peut-être lui, le tuer, ça peut nous mettre bien. Voilà. Qui fait le malin? Ah bah c'est lui. On joue, on joue, on joue. Du coup il est où le frérot là? Parce que là il y a une étoile, mais enfin l'étoile elle a une couleur qui me donne pas très envie de... Tu vois ce que je veux dire? On va voir. On va voir. Ils vont tirer ou pas? Ouais. Voilà. Je vais prendre quoi que non. Dun, dun, dun. Oh Luigi! Au secours, venez m'aider! Oh non! Oh mec! Oh mec! Alors. Ah putain, c'est pas simple là. Hein. Je pense qu'il faut. Attendez. Là, je vais la tirer. Voilà, voilà, là on avance, pas sur la vie, non, ouais, c'est, ok, c'est chaud. Là, si on passe par en haut, regarde, là, là, je saute pour à chaque fois le faire remonter un peu, là, 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 et là, et là, parfait, c'est parfait. Oh, bah, j'ai cru que j'allais étouffer. Hey Mario, t'aurais pu venir plus tôt. Eh oui, tu veux la super étoile, c'est ça? Ah, dis bien Harmonique, c'est moi qui l'ai trouvé. Nous soussaille. Nous le dirons. Nous le dirons. Genre, ça fait longtemps qu'il nous attend quand même. J'aurais pu ne pas venir de suite, Luigi, mais bon, je dis ça, je dis rien. Est-ce que j'en ai encore d'ailleurs ici? Non. On repart. Bon, on va voir sur Twitter, Jamy t'a mentionné cette fois. Ah, il a rectifié. Rectifié. C'est gentil. Bon allez, on continue, je vais continuer dans la chambre de, d'Harmonie en vrai. En fait, je fais les trucs dans l'ordre, hein, tant qu'à faire. Comme ça, c'est plus simple en termes d'orga. Et je dis pas ça parce que je pue la merde en organisation, hein, mais je pense que c'est pas mal. T'as reçu une lettre de la princesse Peach? Mais non. Cher Mario, je me trouve en ce moment dans un endroit très très lointain. Mais je vais bien, car je sais que tu viendras me sauver. PS, j'espère que ce que j'ai joint à cette lettre te sera utile. Ça va être un champignon? 5 champignons. Bon, tu les veux? Pff, en vrai, allez. Quand même. Oh, princesse, même prisonnière, elle pense toujours aux autres. Allez, à la prochaine. Petite histoire, peut-être la bibliothèque, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu d'histoire, non? Avant de se faire une prochaine galaxie ou quoi? Ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'histoire. Pourquoi on dirait non à 5 vies? Ouais, je sais pas. Si on veut la jouer roleplay en mode... Mario n'est plus sûr de ses sentiments... je sais pas. Ça peut, hein. Allez, petite histoire avant de retourner directement. Une petite histoire. Oh, what the fuck, dude? Wow. Let us begin.
Eh bien, commençons. Chapitre 5. La maison. Ici, ce sera la cuisine. Là, la bibliothèque. Et par là, la salle de jeu, disait la fillette en s'affairant ça et là. Nous habiterons tous les deux dans la plus belle des maisons. Depuis qu'elle avait décidé de devenir la maman du petit Luma, la fillette travaillait sans relâche. Dans les profondeurs de glace, la fillette avait découvert bien plus que des éclats d'étoiles. Il y avait là des outils, des meubles et des tas de choses étranges qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle avait décidé qu'elle se servirait de tout cela pour bâtir leur demeure. Contemplant la maison terminée, le Luma demanda sur un ton hésitant. Dis, ce n'est pas un peu grand pour nous deux ? Et en effet, toutes ces pièces, bibliothèque, cuisine, salle de bain, donnez-moi une impression d'espace à l'ensemble. Qu'un grand sentiment de solitude. C'est vrai, ni papa, ni mon petit frère ne sont là, ni maman, dit la fillette d'une voix si basse qu'elle en était presque inaudible. Décidément, cette maison était trop vaste pour deux si petits habitants. Cette nuit-là, la fillette dormit dans le vaisseau, serrant très fort contre sa poitrine son lapin en peluche. Chapitre 6. Des amis. Un jour, alors que la fillette et le Luma se détendaient en buvant du pastis, il vit approcher lentement une petite planète couleur abricot. Sur cette planète habitait un autre Luma. Tiens, un autre enfant étoile ? La fillette était ravie de cette visite impromptue, mais le Luma semblait un peu inquiet. Le nouvel arrivant était de couleur orange, comme sa planète. Les deux Lumas se fixèrent longuement du regard, sans que l'un ou l'autre ne fasse un pas en avant ou en arrière. C'est ma maman, dit le Luma, rompant le silence. Ce à quoi le Luma orange, tel un perroquet, répliqua. C'est ma maman. C'est ma maman. Chacun des Lumas tirait la fillette de son côté, et aucun des deux ne semblait prêt à céder. Leur naïve dispute offrait un spectacle d'une telle innocence que la fillette ne pouvait s'empêcher de trouver la scène comique. Et soudain, alors qu'elle allait éclater de rire, un second Luma sortit de la planète abricot, puis un troisième, et bientôt une foule de Lumas jaillirent les uns après les autres, des rouges, des bleus, des oranges, des verts, mais tous reprenaient à tue-tête. C'est ma maman! C'est ma maman! À mesure que les voix de tous ces Lumas s'amplifiaient, la fillette avait de plus en plus envie de rire. N'y tenant plus, elle s'esclaffa. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai vraiment beaucoup d'enfants maintenant! Les Lumas, perplexes, regardaient la fillette qui riait en se tenant le ventre. Lorsqu'elle finit par se calmer, elle déclara: Bon? Eh bien, il ne me reste plus qu'à trouver un nom pour chacun d'entre vous. Et quand elle eut fini de nommer tous les Lumas, elle songea qu'enfin, ils allaient pouvoir aménager dans leur nouvelle maison. C'est tout pour aujourd'hui. Quelle histoire, messieurs, dames.